c'est déjà un comportement exceptionnel. Le mur est plus qu'à distance. C'est parti ! C'est parti ! Avec Benzema qui vient égaliser pour l'Olympique Lyonnais. Il n'a que 20 ans. Il n'a que 20 ans. Mais il a pris toutes ses responsabilités. En premier lieu, il est parti ce corner ! Avec l'énorme tête de Mustapha Bayansal qui inscrit son premier but cette saison en Ligue 1, le jour de ses 29 ans. Les Verts mènent à 0. Il est passé avec un peu de réussite pour Cuff, le centre du pied gauche. Oh, la tête de Jimmy Briand. On dit qu'un derby se joue souvent dans les dernières secondes et même dans le temps additionnel. Il s'est peut-être joué encore une fois dans le temps additionnel ce soir. La tête de Jimmy Briand et l'Olympique Lyonnais mène 2 buts. Oh. On parle de 3 mousquetaires. Et pourquoi pas 3 buts? Et pourquoi pas 3 buts avec Renaud Coane? Oh, la S Saint-Etienne n'a peut-être jamais été aussi près depuis 20 ans de s'imposer face à son éternel rival. Les Verts mènent 3-0. Renaud Coane. En récupération du ballon au milieu de terrain. Bon centre. Et bon centre parce que Brandao va aller chercher premier poteau. Et l'ouverture du score pour la S Saint-Etienne. Signé Mevlut Erling. La troisième occasion aura été la bonne pour les Verts. C'est passé la casette jusqu'au bout avec ce petit piqué et ce troisième but de la saison pour Alexandre Lacazette. Un petit peu moins de 5 minutes de la pause. L'Olympique Lyonnais mène 1-0. C'est passé avec Amouma, le grand pont. Et derrière le deuxième but, le voilà. Encore un coup de poignard dans le dos de la défense lyonnaise. Amouma, on n'avait pas vu depuis son entrée. Et il est décisif au meilleur des moments possibles pour la Saint-Etienne. Juste avant la pause, les Verts mènent 2-1. Ribéry, il est toujours en train de courir, messieurs. Et là, il va aller défier Bernard Mendy dans la surface de réparation parisienne. Il est passé Ribéry. Oh, la passe décisive de Franck Ribéry. Il est à 10 cm au-dessus du sol depuis plusieurs mois, mais il a passé une semaine exceptionnelle. Et Mickaël Pagis transforme le monde. Regardez quelle allure, il revient. Oh là 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 là, Franck Ribéry 3 pour l'Olympique de Marseille. Il est bon joué. Avec la tête de Diawara, derrière il y aura Ouarou. Et tout de suite Néné. Oh, le bon ballon. Oh, le bon ballon, on verra. Geste de génie de Néné derrière, l'efficacité retrouvée du duo Erding Ouarou. PSG 2, Marseille 0. Il peut se frapper, ce coup franc. Oh, oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25ème minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda. Zlatan 2, Olympique de Marseille 1, et encore un doublé pour lui, le 4ème cette saison. Oh, le signe de Romao, Gignac, il y aura le retour de Thiago Silva, frappe de Gignac. Le doublé pour André-Pierre Gignac. C'est manière 199ème but en Ligue 1 et surtout un but qui permet à l'Olympique de Marseille de reprendre l'avantage à quelques minutes de la pause. Gignac 2, Paris Saint-Germain 1. Pas de but dans un moment difficile, même si elle avait été à Nantes. Oh, bon centre, Batshuayi qui vient ouvrir le score pour l'Olympique de Marseille après un petit peu moins d'une demi-heure de jeu au moment où le Paris Saint-Germain avait rééquilibré ce classico. Marseille mène 1-0 au Parc des Princes. Sur la contre-attaque avec Lissandro, il a vu bien sûr César Delgado. Ce sera peut-être un face-à-face avec le retour face à lui de Fanny. Delgado, une première fois à gauche et derrière la frappe jusqu'au bout. Le deuxième coup pour l'Olympique Lyonnais, César Delgado. Et là, oui, là, le duel explose. 2-0 pour Lyon. André Ayou. Oh, et c'est encore senti. Et la frappe de Thauvin. Et Gignac. Pas de jeu. Doublé pour Gignac, 4-1 pour l'Olympique de Marseille, 56e minute. Oh oui, c'est Olympico, a peut-être définitivement basculé dans le camp marseillais. 4-1. Quel bon contrôle, quel bon contrôle et quelle bonne passe. Gourcuff. Oh, la dribble intérieure. Quel but de Johan Gourcuff. Alors que Lyon était dominé, Lyon était au bord de craquer. 65e minute. Lyon mène 1-0 grâce à Johan Gourcuff. Ça.
défend entre Batshuayi et la frappe pour l'ouverture du score à la 64e minute de Rémi Cabella. Et c'est l'Olympique de Marseille qui vient prendre l'avantage dans cet Olympico après une période de domination de l'Olympique lyonnais. Lyon n'a pas conclu, c'est Marseille qui le fait en premier. Techniquement, ça aussi en triangle avec Gassama, Pjanic et l'accélération maintenant de cibler Govou. Lissandro à droite, Govou qui va piquer dans l'axe. Govou pour le deuxième but. Oh, l'action, elle est partie du camp lyonnais. Elle va jusqu'au bout, jusqu'au pied gauche de cibler Govou. Ce match est exceptionnel. Un quart d'heure, pas plus. Oh, l'erreur, on en retourne. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué dans le contrôle. Bien joué dans le centre. Et bien joué aussi pour la reprise. Pas qui collait. 3-2 pour l'Olympique de Marseille dès le début de la seconde période. Ok, match. Quel but de Koné. Et que du bonheur pour les semaines qui viennent. Oh, la reprise de Brandao. Il en avait loupé une tout à l'heure. Celle-ci ne la manque pas. Le geste est parfait. L'équilibre sublime. 4-2 pour l'Olympique de Marseille. Lissandro peut redonner espoir à l'Olympique lyonnais. Oh, le troisième but lyonnais. Il va rester 10 minutes de folie. 4-3 pour Marseille. Lissandro Lopez. Lissandro, pas d'enjeu pour Pjanic. Pjanic avec Bastos. Oh, ils sont allés la chercher jusqu'au bout. Jarlot explose. 5-4 pour l'Olympique lyonnais. C'est le match de l'année pour l'instant. C'est pas terminé. Second poteau avec Cissé. Avec Cissé. Et la sortie du Gomis. Et derrière, l'égalisation de l'Olympique de Marseille. Stéphane Pilla, c'est fou, 10 buts, 5 partout. Mais sur le point, il faut jouer. Torres. Et l'ouverture du score pour El Niño Torres à la 25e minute de ce match aller. Coquet, Griezmann. La tête d'Antoine Griezmann sur le centre de Coquet. Le voilà, le premier but du Français. Du latéral serbe et le but d'André Schürrle, la 32e minute, le premier oubli de la défense parisienne. Et derrière, Pour le deuxième but de Chelsea, 87e minute. David Luiz, Costa. Peut-être qualifier les Blues à la 81e minute. On frappe ses corners. Ah, oui. C'est le moment pour Paris. Avec Thiago Silva. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain est qualifié. Qui part en jeu, qui n'est pas en jeu. La bien passe tirée poursuivie par de la LVS. La frappe du Gaulle. Oui. Pour l'instant, 5e minute de cette seconde période. Payet. Frappe du pied gauche. Et le voilà le 22e but en équipe de France sous ce maillot bleu pour Antoine Griezmann. Dans le centre, Doucas. Allez, second poteau Pavard. Benjamin Pavard. Oh, s'il voit, il l'a vu. Oui. Kylian Mbappé. Il l'a vu. Ça fait 4 et ça fait peut-être un quart de finale. Fernando Muslera. Ce serait un moment idéal d'aller inquiéter Fernando. Et même mieux d'aller inscrire. Frappe de Griezmann. L'erreur de Fernando Muslera. L'immense erreur. 38e minute. Et Antoine Griezmann, qui ne laisse aucune chance à Daniel Subasic. Les Blumenthal. Et la deuxième. Quelle efficacité. Paul Pogba. Attention parce que quand on est haut, on s'expose à un centre par exemple. Sinegovou, pas d'enjeu. Et l'ouverture du score dès la 6e minute, signé Fred, il arrive en France.
France et il inscrit son premier but après 6 minutes servi par Sidney Govou. Pas de touche, pas de corner. Et nouveau centre de Ben Arfa, premier poteau. Premier poteau et le doublé pour Fred dès le début de la seconde période. La qualité du centre encore mis de Ben Arfa. Ça fait 2-0 pour l'Olympique Lyonnais. Doublé pour Fred qui signe son arrivée en France de façon tonitruante. 2-0 pour Lyon. Mais il sait que Aubragnac peut frapper bien ce coup franc. Oh, c'est grand poteau. Oh, le but. Le but de Faubert. Oh, le but de Faubert dans les dernières secondes du match. L'égalisation de Fernandez, le premier de Griezmann, et bien Fernandez. Et vers Pastore, et là, et là poursuivi par Chedjou, Giroud. Oh, il n'y a pas de solution. Si, si. Il y est. Le but. Karim El Fada. Giroud passe la décisif. Ils ont donné beaucoup les Messins ce soir avec Rod Fanny. Symbole jusqu'au bout peut-être de ce match. Rod Fanny. Payet. Magnifique. Oh, que c'est beau. Avec Chalmé, avec Gourcuff. Oh, deux fois. Exceptionnel. Johan Gourcuff. Quel on but. On le compare à Zidane, mais on va le comparer encore un peu plus à Zizou après un tel enchaînement. Yepes avec Paoletta. On voit qu'il va pouvoir enchaîner peut-être la frappe. En craque, l'occasion de but. L'occasion est même mieux. Voilà peut-être le but de la victoire. Paris Saint-Germain avec Fabrice Pontal qui va aller remercier son entraîneur, remercier. Il le perd rapidement ce ballon, les Lyonnais, pas de hors-jeu, pas de hors-jeu, avec la frappe et l'ouverture du score. Jérémy Ménez pour Paris Saint-Germain, 53e minute pour l'instant le Paris Saint-Germain est champion de France. Avec Gueye, Balmont, oui, c'est dans le bon tempo pour Salomon Kalou, il y a un peu de... Oh, il y a un peu d'oubli contre PSG, Malouba. C'était un duel. Restera encore 3 minutes derrière. Il restera 3 minutes. Mais l'égalisation, la voilà. Jiri Mina, encore lui. C'est fait. Il le sait. Regardez la tête. Le mot aller va être la base des 15 prochaines secondes. Michel Thé, le mot bravo. Mais c'est va fait. Être la base. Mais c'est va fait. Être la base je te de dis la que prochaine c'est minute. C'est fait. Champion du monde pour la deuxième fois dans l'histoire du football français.